Un jour, Paul sort d'un jeu ou d'une lecture, je ne sais pas, puis il me dit « Mamoun, tu sais, moi, quand je serai grand, je me battrai contre les méchants. » Je lui dis « Non. » Ah, il me dit « Si, je t'assure, je tuerai les méchants. » « Oui, non, tu veux devenir un méchant. » « Non, non. » Il me dit « Non, moi, je serai un gentil. » « Très bien. » Je lui dis « Mais tu ne te battras pas pour une idée. » « Non, non, non. Ça, j'y crois pas. » Il me dit « Ah bon? Pourquoi ?» Ben, je lui dis « Parce que quand on se bat, c'est pour deux raisons. Garder le pouvoir qui donne du pognon et qui fait que la vie que tu as, eh ben, n'a plus de loi, sauf la tienne. » Et il me dit « Mais non, quand même, quand on se bat pour la liberté, quand on se bat pour que les gentils gagnent. » Je lui dis « Non, non, il n'y a pas de gentil ou de méchant. Il y a des gens qui ont du pognon, du pouvoir, et qui font croire à d'autres que c'est pour des idées, des passions, des illusions, qui vont mourir. Alors, je ne te dirai pas, mais celui qui meurt pour une illusion comme la liberté ou les choses comme ça, il a une belle vie, parce que quelque part, il se bat pour la vie. Mais celui qui va le détruire se bat pour le pognon. Et donc, il est sec, il est mort, et ce qui fait que ce sont des indestructibles puisqu'ils ne sont pas vivants. » Alors, il me regarde, il me dit « Moi, j'y comprends rien à ton histoire. Il y a les méchants, il y a les gentils. » « Oh, ça serait tellement facile, je lui dis. Ça serait tellement facile. » Non. Il y a ceux qui veulent créer le monde à leur image par la force. Et il y a ceux qui essaient d'amener leur monde par l'amour. Tu en as deux sortes. Vis avec amour. Si tu veux te battre, et n'emploie pas ce mot, dis « je veux aider ceux qui aiment la liberté de penser, ceux qui aiment la joie d'être ensemble ». Oui, ça c'est une possibilité. Mais peut-être que tu mourras pour cette idée. Mais si tu rejoins quelques-uns qui te font croire que ton monde est menacé, eh bien, comme le disait je ne sais plus qui, on te fera croire que tu vas à la guerre pour des idées, défendre ta patrie. Et puis, tu finiras tout simplement par te battre pour ceux qui ont du pognon. Et c'est ça qui est triste, mon garçon. Quand on n'est pas dupe de la danse du monde, alors on sait que derrière l'habillage, on raconte des histoires pour ceux qui doivent subir la simplicité de la pensée de quelques-uns qui, par la force, dirige le monde et le détruit. Ciao !